Salut JBN, bon, toujours sur le Festiplage. Là, je suis avec deux chefs d'équipe et deux bénévoles. On va les présenter. Valentin. Vincent, dit Guichou. Lucie, dit Lulu. Et moi-même. Bon, le moi-même, on le connaît, on va pas le présenter. On va juste leur poser quelques questions parce que bon, le Festiplage, c'est pas que non plus un festival de musique. C'est aussi une restauration qu'il faut gérer derrière tout ça. Et une buvette aussi, parce que là, on a les deux chefs d'équipe. Restauration et buvette. Donc on va commencer par la buvette. Guichou, de ton nom alors, parle-nous un petit peu de la buvette. Ah ben, c'est essentiel, sous 30 degrés il faut s'hydrater, donc bon, ça marche bien là, 40 fûts, on attend ça, là, ça, on attend le rush là. Parce que Festiplage, c'est combien de fûts là sur le week-end? 250 à peu près. Ça c'est beau ça, ça c'est beau. Sans les bouteilles d'alcool fort après. Pardon, j'ai pas entendu. Sans les bouteilles d'alcool fort bien sûr. Ça, on va pas en parler. Il y a le président qui m'appelle. Je dois vous laisser. Bon, ben vas-y, va travailler, va travailler. Valentin, toi, qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette buvette? On démarre en douceur, mais ça va être le gros rush de la soirée. On le sait, la buvette, vendredi, samedi, ça va être à fond. Donc voilà, pour l'instant, on est plutôt entre bénévoles, tranquille. Et ça va arriver d'ici peu. Bon, ben parfait, parfait. T'es chaud, j'ai l'impression. On est très bien. Pour l'instant, on déguste la petite bière qui... n'est plutôt pas mal cette année. La bière qu'il faut, quoi. Exactement. Bon. Je vais revenir derrière pour parler un peu de la restauration aussi. Nono, oui, tu vas attendre deux secondes. Non, tu vas me parler... Je suis un homme pris. Bon. Tu vas me parler un petit peu de la restauration? Un magnifique repas ce soir fait par un peu tous les gens que tu as pu voir avec ta petite caméra. Ce soir, un melon au jambon de Parme, donc en entrée. Est-ce qu'il vient de Parme? Oui, exactement, oui. Coupé sur le cochon directement, tu vois, donc de Parme. À Parme en plus. Donc il est frais. Exactement, tout est frais, produits frais. Après, on a un petit plat, c'est anchois de porc avec des pommes de terre et des haricots verts. Voilà. Avec fromage dessert, donc voilà, un petit menu, 12 euros, pas cher, convivial, avec bénévole qui vous sert à table en plus, donc que de belles choses. Voilà, donc n'hésitez pas pour l'année prochaine à revenir, voilà. Et à réserver aussi, parce que cette restauration est quand même sur réservation, parce que c'est quand même du travail, tout ça, alors il faut réserver. On va essayer d'accueillir au moins 120 personnes ce soir, donc voilà, il y a quand même un petit monde qui va venir goûter à notre cuisine. Quoi. Un petit challenge, ouais, exactement. Mais heureusement qu'on est une grosse équipe, que tous les bénévoles bossent, parce que voilà, on ne peut pas tout faire tout seul, on va dire. Voilà. C'est sûr. Voilà. Sans le public, sans les bénévoles, sans les organisateurs, c'est ça. On n'est rien. C'est ça, exactement. Par contre, je voudrais faire un petit message. Il y a le commis de cuisine qui est juste derrière vous, parce que c'est lui qui fait la vaisselle. Donc bon, on le remercie, Raphaël. Fais un petit coucou à la caméra quand même. Ouais. Voilà, un petit coucou au commis de cuisine, merci. Bon, mais parfait. On va revenir un petit peu sur Lulu, parce qu'elle se cache, elle veut pas trop parler, mais on va parler quand même. Lulu, parle-moi un petit peu du festival. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur le festival? Alors, des concerts, de la restauration, de la buvette, de la bonne ambiance, des compteurs, un peu de tout, pour les enfants, les adultes, sur deux jours, bien sûr. Quoi d'autre, Gaëtan? À quoi d'autre? Bon, ben, on va changer peut-être de question. Ouais. Que fais-tu sur le festival? Alors, moi, je vais faire de la restauration, donc je vais faire le service. Après, je vais faire les entrées, je vais faire de la grillade, voilà. En gros, c'est un peu mes postes pour les deux jours, quoi. Ouais. Je suis plutôt dans la bouffe, en fait. Apparemment, je sais pas pourquoi, ouais. Je sais pas pourquoi on est mis aux grillades, mais bon. Je vais faire des Américains, si ça vous intéresse. Ça nous intéresse. Ouais. Hein. Pas de réservation? Non, pas de réservation. Open bar. Parfait, parfait. Voilà. Je te remercie, je vous remercie tous. Merci à vous, l'Astroparty. Et franchement, vous déchirez l'Astroparty. Hein. C'est facile, c'est facile. Merci bien. JBN, je te renvoie ça et à tout à l'heure.